passe en fait au niveau des couples. On s'aime, on se marie, on se rend compte, tout se passe pour le mieux. Et puis, un jour, on se rend compte qu'on ne sait plus se parler. Qu'est-ce qui se passe, Lella Fatem Zahra? Alors déjà, il y a communication quand il y a action, de transmission et de réception, de connaissances, d'informations, de messages entre deux personnes ou plusieurs. Yek. Dans un couple, la communication reste l'un des piliers forts sur lesquels repose la relation. D'accord. Au même titre que le respect, l'amour et la confiance. Dans ce cas-là, la communication est perçue comme l'échange qui va faire évoluer. Mais ce n'est pas simplement se parler. C'est échanger. C'est échanger, c'est partager, c'est dialoguer. Donc, je communique avec mon conjoint, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à ma voix, en utilisant ma voix, je vais pouvoir exprimer un besoin ou une attente. Seulement, dans ma voix, il y a l'intonation qui compte. Il y a aussi ma façon d'articuler. Il y a les gestes qui vont avec. Tout ce qui est communication non verbale. Absolument. Et donneront une idée au conjoint dans l'état où je suis, de l'état où je suis. Et seront déterminants, par conséquent, quant à la réponse et la réaction de mon interlocuteur. Si les facteurs hadou qui composent ma parole étaient transmis de manière subtile, c'est-à-dire imprégnés d'amour, de respect, de bienveillance, mon interlocuteur, mon conjoint, va être empathique et attentif à ce que je dis. Dans le cas échéant, si à l'inverse, c'est-à-dire que tout ce qui anime ma parole allait à l'encontre de ce qu'attend mon conjoint de moi, en termes de respect toujours, de bienveillance, de gentillesse. Donc là, le message va mal passer, il va peut-être mal être interprété même, et du coup, la réponse de mon conjoint ou de ma conjointe vont être, la réponse va être négative, destructrice. Elle est parce que le message est mal passé, il a subi une déformation. Même si derrière l'intention elle était bonne, elle n'aspirait à rien de négatif. C'est normal tout ça. C'est humain. C'est humain. D'où l'importance de faire attention, d'avoir une communication non violente.